Le Young Alliance, c'est une organisation pour les jeunes LGBT. Ce qui nous fait ici plus, c'est accompagnement, support avec empowerment de jeunes, que nous donne la même facilité qui est adaptée à ce besoin. Donc, ce qui dernièrement, Young Queer fait, c'est une mass sensitization. Donc, je fais deux résidentiels, un était à Pointe-Jérôme et un était à Hypertech Hotel. Donc les deux nous touchent approximativement 80 première fois et 100 une deuxième fois. Et là nous avons un mini training de 4 ONG. Ça veut dire nous-mêmes, Young Queer, nous elle entre autres. Quand nous touchons un jeune, c'est un peu plus jeune, donc de 16 à 18 ans, ben là, toujours c'est une leader active de ONG. Et à ce moment-là, c'était environ 25 personnes qui ne touchaient pas. Session. Donc peut-être si un demon qui vient vers nous, peut-être par social media, laisse-moi dire, social media c'est un demon instrument qui nous sert beaucoup plus pour nous capables de rester prêts avec la communauté. Ouais, donc si maintenant vient envers nous par social media, nous sommes capables de faire un petit fact-finding au début, le internet, même qu'il y a un coup qui peut arriver, comment il y a un problème, soit quoi. Si nous pouvons trouver une affaire, un petit conseil, une carte de nid qui peut. Qui peut faire les mêmes arrêts fatigue sur la tête à ce point, donner une certaine calme d'esprit, nous fait aider. Mais sinon, si nous trouvons qu'il y a un peu autant qu'il nous a un lit, nous invite-les, nous allons venir nous boire un petit café, nous causons toujours.